L'Afrique, c'est 30% des minéraux mondiaux. L'Afrique, c'est 21% de la production d'or, 46% de la production de diamants, 46%, 75% de la production de platinium, j'en passe, et des meilleurs. 60% des terres arables. Donc l'avenir de la nutrition et de l'alimentation mondiale va se passer en Afrique. Mais ça ne peut plus être comme ça se faisait avant, ce n'est plus possible. Si l'Europe veut être dans cette relation-là, il va falloir que cela change. Il va falloir qu'on comprenne que le monde est différent. Il n'y a plus cette position hégémonique qui existait. C'est un monde plus ouvert et l'Afrique compte tirer profit de toutes ces opportunités qui se présentent à elle.